Mesdames et messieurs, le capitaine vous informe que l'heure d'arrivée à Apola, Mexico, est prévue aux environs de 13h15. Tu m'as parlé, maman ? Non, c'était l'hôtesse de l'air. On est presque arrivés. Génial. Tu sais, c'est un artisanat oublié dont les techniques ont été abandonnées depuis de nombreuses années, mais le résultat est magnifique. J'envoie celle-ci à Suzy Baker. Son adresse devrait... T'inquiète pas, chérie, j'ai noté toutes les adresses sur ce calepin. D'accord. Qui dirait qu'elle avait autant d'amis ? La plupart du temps, elle leur écrit deux fois. Regardez ça, chérie. Voilà la fameuse poupée que ton papa va fabriquer à Mexico. Tu vois ? Ça, c'est l'usine où on va la fabriquer et coudre ses jolies petites robes. Elle est belle, hein ? Quant à toi, tu seras la seule petite fille au monde dont le papa fabriquera d'aussi merveilleuses poupées. Tu en as de la chance. Je suis sûr que tu vas adorer. Je suis persuadé qu'on va faire un malheur. Est-ce qu'on pourra retourner à Los Angeles après ? Seigneur Wade, Seigneur Wade. Bonjour. Quel plaisir, enfin. Seigneur Wade, bienvenue à Mexico. Merci. Seigneur Wade, j'ai apporté tous vos papiers. Et voici tous vos permis. Et les fonds ont été transférés sur un compte bloqué ce matin. Et voici une lettre de notre humble ville d'Apala, qui vous accueille à bras ouverts et qui vous souhaite prospérité et réussite dans Merci. Votre entreprise de fabrication de poupées artisanales mexicaines. Allez, occupez-vous des bagages. Seigneur Wade, nous avons fait l'impossible pour que votre maison soit agréable et confortable. J'espère que vous serez satisfait. J'en suis persuadée. Merci encore. Camilla! Camilla, tu es préparée du chile verde? Si, heureusement. Signora, occupez-vous des bagages. Voici Camilla. C'est elle qui va prendre soin de vous. Soyez la bienvenue, Madame Wade. Bienvenue à vous, Monsieur Wade. J'espère que tout ira bien. Merci. Bienvenue au petit Wade. Et tous sont adorables. Votre déménagement est arrivé et j'ai commencé à déballer tous vos cartons. Venez, je vous en prie. Merci. Je monte les valises au premier. C'est super chouette, je m'attendais pas à ça. C'est dur la lecture, tu auras de quoi faire avec tous ces livres sur Mexico. Oh, il y en a tant que ça. Bien sûr, la littérature de notre pays est très très riche. Le Mexique est spécialisé dans les histoires extraordinaires, c'est passionnant, tu verras. Ça y est, on a rendu tous les bagages. C'est très bien. Maintenant, vous allez ranger la voiture au garage et ensuite, vous passerez à la cuisine avant le dîner. Jessie ? Seigneur Wade, vous voulez aller à l'usine ? Volontiers. Papa, est-ce que je peux aller avec toi, s'il te plaît ? Bien sûr, chérie, viens vite. Allez, dépêche-toi, on va faire un tour à l'usine. Tu peux y aller. On y est. La seigneure Adeloga a fabriqué les plus belles poupées du monde. Elle a eu beaucoup de prix. Quand j'étais petit, je venais ici juste pour la regarder peindre leur figure de porcelaine. Avant de mourir, elle a réalisé une poupée absolument magnifique.
C'est un grand plaisir que vous repreniez cette affaire, Monsieur Wade. Vous êtes mon premier client. Monsieur Estrella, d'après les documents que vous m'avez envoyés, la fabrique était en parfait état et qu'elle avait été entretenue depuis la mort de la Seigneura. Oui, monsieur. Après la mort de la Seigneura, on a fait bien attention à ce que tout reste comme c'était. C'est pour cette raison que jamais personne n'est venu. Vous voyez, tout est intact. Oui, je vois. Venez ici que je vous montre tout le matériel à modeler et ranger. Monsieur Estrella, qu'est-ce que c'est ce gros chaudron? Ah, c'était là-dedans qu'on mélangeait tous les ingrédients pour fabriquer les poupées des Lugas. C'est avec ça qu'on est censé faire battre le cœur de millions de petites filles. Je crois que nous sommes bien mal partis. Si, bien sûr, Seigneur, je vous comprends. Je pense qu'il faut faire un peu de ménage. Les études de marché, la gestion des stocks et les estimations. Et qui a fabriqué ces tissus? C'est moi, monsieur. Je me suis inspiré des livres de mode américains. Bon travail. Est-ce que tu es là? Oui, papa, je suis à côté. Regarde ce que j'ai trouvé. Est-ce que je peux en avoir une? Tu as vu ça? C'est extraordinaire. Toutes les petites filles du monde ont rêvé d'avoir une poupée comme ça. Je voudrais... celle-ci. Bien, elle est à toi, ma première cliente. Je l'appellerai Dolly. Merci, papa. Je suis sûre qu'on va s'adorer. Jimmy! Monsieur Estrella! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez m'expliquer? Ce sont des ruines mayas, mon garçon. C'est une des plus importantes cités archéologiques du Mexique, réputée dans le monde entier. Les mayas? C'est ce que j'ai étudié le semestre dernier à l'école. Ces mecs-là savaient vivre. Ouais, j'en doute pas. Ceci étant dit, je t'interdis d'y aller. Oui, vous avez raison. La semaine dernière, il y a eu un accident. Un archéologue a été écrasé par une dalle. Les recherches ont été suspendues jusqu'à la décision de la commission d'archéologie. Ils sont tout emmêlés. Faut que je te coiffe. Alors, la journée a été longue. Demain, nous allons ranger tous les bagages. Je sais que ce n'est pas très drôle. T'as pas besoin de le dire. Bonsoir, ma petite chérie. N'oublie pas de dire bonsoir à ma poupée. Fais de beaux rêves, poupée jolie. Bonsoir, poupée. Tu vas être ma nouvelle amie. Je crois qu'on va bien s'amuser. Ça sent bon, les légumes frais.
Ils viennent du potager de mon frère Yolantan. Il va vous faire des prix, j'en suis sûre. Ils prennent du fumier de dinde comme engrais. Les fumiers de dinde, il n'y a pas mieux. Vous savez, je m'y connais en engrais. Hein. Vraiment? Mm-mm. Je l'ignorais. Vous savez, ma sœur, la famille en est très, très fière. Elle a donné sa vie à l'église. Elle est bonne sœur. Elle est au couvent des Carmelitas. Elle est carmélite. Vraiment? Maman? Écoute, laisse-le sur la table avec les autres lettres, chérie. Non, je voulais te dire que je vais jouer dans la cour. Toi et moi, on va aller jouer dans la maison de poupée. Poupée jolie, on va s'amuser toutes les deux. On est presque prêt à partir, ma chérie. Il y a quelqu'un? Je l'ai appelé pour qu'elle bénisse la maison, c'est une coutume. Viens, ma chérie, rentrons. Resnick ? Entrez. Les photos d'Apala sont arrivées. Ah, c'est pas trop tôt. À votre avis, est-ce que c'est la tombe ? Ah, j'en suis pas sûr. Est-ce que vous avez déjà vu ces symboles auparavant ? Non, monsieur. Je suis certain qu'ils ne sont pas mayas. Le sarcophage n'a pas été touché, on dirait. Non, personne n'a touché à rien jusqu'à ce qu'on ramène le corps de l'Arabé. Quand est-ce que vous partez? Bob l'Arabé et moi avons été amis pendant plus de 3 ans. Est-ce que vous le saviez? Non, monsieur. Je pars tout de suite.
Comment va-t-elle? Elle s'est calmée, ça va. Nous avons discuté longuement de ses petites amies d'école, bien sûr. J'aurais voulu que tu la voies, Elliot. Elle m'a fait peur, vraiment peur. Elle n'était plus elle-même. Pour quelle raison, ça, je n'en sais rien. Je vais emmener Jimmy avec moi à l'usine demain, comme ça vous pourrez passer un peu de temps ensemble. D'accord, c'est une très bonne idée. Reçois les machines à coudre la semaine prochaine, je te l'ai dit. Oui, tu me l'as dit ce matin. Jessica, qu'est-ce que tu fais? Ma poupée m'a dit qu'on allait se plaire ici. Oh oui, je suis sûre qu'on va beaucoup se plaire ici, ma chère. Allez, maintenant, il faut dormir. On dirait que tu as bon appétit aujourd'hui, ma chérie. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien. Est-ce que tu as vu ce dessin quelque part? C'est ma poupée qui me l'a montré. Elle a dit qu'elle attendait une jolie et gentille petite fille comme moi. Ma chérie... Je me demande ce qui lui arrive tout d'un coup. Tinta Quintero. Quoi? Jessica!
Jessica, tu vas me faire le plaisir de revenir. Camilla, je suis absolument désolée. Jamais elle ne s'est comportée comme ça auparavant. C'est le Santia. Elle a employé le langage des tribus Santia. Calmez-vous, de quoi vous voulez parler? Je le sais, je connais leur langue. Je connais très bien ces peuples. Leur esprit vole avec l'esprit du mal. Non, non. Je t'interdis de me parler sur ce ton, jeune fille. Pourquoi tu as poussé Camilla? Je t'ai vu faire, réponds. Camilla prie avec des esprits, et ces esprits détestent ma poupée. Jessie. Quoi que tu aies pu dire à Camilla, est-ce que c'est ta poupée qui te l'a dit? Oui, ma poupée me l'a dit. Non, mais tu me prends pour une idiote. Qui t'a dit une chose pareille? Viens avec moi. J'exige que tu fasses des excuses à Camilla. Laisse ta poupée ici. Je m'excuse pour tout à l'heure. Camilla, je ne voudrais pas me mêler de vos pratiques religieuses, mais ne croyez pas... Señora, le mal est dans cette maison. Je le sens. Si je prie, c'est pour nous protéger contre les esprits du malin. Je suis tout à fait d'accord. Je comprends parfaitement. Mais à l'avenir, j'aimerais que vous invoquiez vos esprits et que vous fassiez vos prières dans votre chambre, par exemple. Je vous accorderai des pauses. Je comprends. Aujourd'hui, j'ai parlé avec ma sœur au couvent. Je crois qu'il vaudrait mieux que vous engagiez une autre domestique. Où est-ce que tu vas? Nous allons dîner en ville, ma chérie. Tu as passé une bonne journée avec maman aujourd'hui? Oui, c'était correct. Elle est bizarre depuis qu'elle est arrivée ici. Tu devrais en discuter avec elle. Je pense pas qu'elle se plaise ici. Mais tu sais quoi? Je crois que tu as raison. Il va falloir que nous soyons très patients avec maman. Bonsoir, chérie. Bonsoir, papa. Bonsoir, Dolly. Dolly? Dolly?
Jessica, viens avec moi. Voilà, je vais essayer de rentrer de l'autre côté. Jessica, est-ce que c'est toi? Oh.
n'y a pas de lumière. Camilla a dit qu'il y avait un problème de fusible. Je vais aller voir. Jimmy? Ah. Oh, tu m'as fait peur. Pourquoi cette bougie? Il y a une panne d'électricité. Est-ce que ta sœur est là? Non. Peut-être qu'elle est avec Amelia. Je vais voir. Non, Camilla n'est pas là. Elles sont bien quelque part. Je parie qu'elles sont dans ta chambre. Jessie. Non, elles ne sont pas là-bas non plus. Ta sœur a une peur panique des éclairs. Ici. Dieu, elle est dans la maison de poupée. Je viens de parler avec sa famille, il s'occupe de toutes les formalités. Est-ce que ça va, ma chérie?
Jessie, tu peux m'ouvrir? Jessica? Qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux? On les a coupés. Tu ne trouves pas que je lui ressemble? Jessica, pourquoi tu tenais la porte? C'est ma poupée qui l'a fermée. Elle déteste qu'on vienne nous espionner dans notre maison. Jessie, je veux que tu laisses ta poupée ici et que tu rentres à la maison avec maman. Non, merci. Je préfère rester ici. Oh, ne m'en veux pas, maman. Essaie de comprendre que ma poupée est la seule amie que j'ai. Je ne veux pas la perdre. Est-ce que je peux rester avec un petit moment? Si tu veux, je laisserai la porte ouverte. Si tu savais, je t'aime, maman. Je t'aime très fort. Tu es ma gentille petite fille à moi. Tu es sûre que ça va? Je vais très bien, je t'assure. Tant mieux. Désolé. Allez, sors de là. Tu n'as rien à faire ici. Je parie que vous êtes l'archéologue envoyé par l'université. Bonjour, je suis Jimmy White. Mon père a acheté la fabrique d'à côté. Est-ce que tu as lu le panneau, mon garçon? Tu n'as pas le droit d'entrer ici, c'est dangereux. Alors fais-moi le plaisir de t'en aller immédiatement. D'accord. Mais vous aurez besoin de moi, de toute façon. Un quoi? Un peu plus bas, la voûte s'est écroulée et l'entrée est trop petite pour vous. Vous serez incapable de passer. Ah, t'occupe donc pas de ça. On verra. Dis-moi, jusqu'où as-tu pu aller? À peu près à la moitié, mais j'ai trouvé un passage de l'autre côté. Je vais vous le montrer. Oh, j'ai une idée. Je vais vous servir d'yeux et d'oreilles si vous y tenez. Ça vous va? Est-ce que ton père sait que tu es ici? Oui, bien sûr. Mon père pense que c'est excellent pour mon éducation. Alors, je peux ramper jusqu'au sommet et jeter un coup d'œil? Oh, je l'ai déjà fait, mais là-haut, il fait noir et on voit pas grand-chose. Écoute. J'apprécie ton goût prononcé pour l'exploration, mais il va falloir que nous attendions de voir ce qu'il y a dans la crypte. Oh, une crypte! Je savais que c'était une crypte! Hé, hey, reviens tout de suite. Chouette, le casque. Qu'est-ce que tu vois? J'en sais rien. C'est très petit. À mon avis, c'est un cercueil.
Mais d'habitude, les cercueils sont pas faits en pierre. Allez, maintenant, ça suffit. Dépêche-toi de sortir. Il n'y a vraiment pas de quoi s'énerver. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Aïe! Ne t'avise jamais de recommencer. Oh, c'est juré. T'as intérêt. En fait, j'ai potassé un maximum sur les Mayas quand j'ai appris que vous alliez venir ici. Et il paraît que vous êtes un super prof d'université, alors que moi, j'ai appris ça en cinquième. Et j'ai voulu vous prouver que j'étais capable de faire le boulot parce que je peux. Je voudrais travailler avec vous. Et en tant que quoi? En tant qu'assistant. Est-ce qu'il y a un téléphone à l'usine de ton père? Ah ouais, bien sûr, vous pouvez téléphoner de là-bas. Alors? Qui est enterré là? Un roi Maya? Il était pas très grande taille, comme le roi Tut d'ailleurs. On y va? Je vais chercher mon père. Voici mon père, Elliot Wade. Carl Resnick, j'espère que je ne vous dérange pas trop. Vous pouvez téléphoner autant que vous voudrez. Ah, ces créatures sont magnifiques. Elles ne laissent pas indifférent. Je suis de votre avis. Plus je cohabite avec ces poupées, plus elles reprennent vie. Je suis désolé pour l'accident qui est arrivé à votre collègue. Merci. Bob Larrabee était un passionné d'archéologie. Si sa théorie est correcte, je crois que cette dernière fouille risque de répondre aux nombreuses questions qu'on se pose à propos d'une tribu étrange, les Sanzia. Non, alors ce ne serait pas des Mayas? Rien à voir avec les Mayas. Les Sanzia ont occupé toute cette région il y a à peu près 900 ans. Sanzia signifie Satan sur Terre. Ça a l'air fascinant. Vous commencez quand? Je commence dès ce soir. Mon équipe arrive demain matin. Seigneur, il y a une grosse fuite d'eau à la pompe. C'est bon. Des problèmes d'eau, excusez-moi. Le téléphone est là, vous faites comme chez vous. Tu veux m'aider? Ah, ce soir, hein? Quand le soleil disparaîtra, j'espère que tu en feras autant. D'accord. Sanzia, Sanzia, le culte de la mort. Nous sommes le 3 mai. Il est 19h. Je me trouve dans le tunnel. Et j'ai déjà fait l'observation suivante. D'après les photos que Bob Larrabee m'a faites parvenir, ces symboles sont sûrement Sanzia. Je vais déblayer ça à la main. Je n'ai pas le choix. Non, nous avons presque terminé. À quelle heure tu rentres? J'en ai pour une heure. Pourquoi? Que se passe-t-il? Il y a du tout. Simplement, je m'inquiète pour Jessica. Mais pourquoi? J'ignore ce qui lui arrive exactement. Je me fais du souci pour elle. Je trouve qu'elle fait une véritable fixation sur cette poupée. C'est normal, ma chérie. Elle n'a aucune petite amie pour jouer. C'est vrai. D'accord, nous en rediscuterons plus tard, à ton retour. Je t'embrasse. Je t'aime. Je t'aime aussi. Monsieur Wade, vous venez au village avec moi? C'est très gentil, Louis, mais non, merci. Je ne vais pas tarder à rentrer chez moi. Je crois que je vais me coucher maintenant. Aussitôt?
Alors, bonne nuit. Cette fois-ci, je rentre. Louis, l'usine est à vous. Vous pouvez fermer. Bonne nuit. Buenas noches, Monsieur Wade. J'arrive à déchiffrer petit à petit de nouvelles inscriptions, surtout la partie gauche de la crypte. L'arabe avait raison. Elles sont en Sanzia. Ce sont des avertissements. Des avertissements pour dissuader quiconque de franchir l'entrée de la tombe. Señorita, j'aimerais vous inviter à dîner ce soir. Je vous trouve tellement belle ce soir. Et de toute façon, vous êtes toujours belle quand la nuit elle tombe. ¿Quieres bailar la lambada? Et ensuite, on se paiera un peu de plaisir dans ma piole. Non. Ah, vous les femmes, vous êtes toutes les mêmes. Il n'y en a pas une pour racheter l'autre. Vous êtes moche et vous avez toujours le nez qui brille. C'est bien fait. Et vous vous prenez pour qui? Les femmes, elles ne se prennent pas pour n'importe qui. J'en ai pour une minute.
Surprise. Bon, je tiens. C'est chaque fois fait 3 mètres sur 3 et 2 mètres 50 de hauteur. Apparemment, personne n'y est jamais entré. C'est magnifique. Dire que cet endroit existe depuis 900 ans. Le détail qui frappe le plus, c'est que c'est l'histoire de la création. C'est l'histoire de la naissance du mal sur notre terre. Oh. Ah mon Dieu, le symbole. J'ai trouvé la crypte. C'est là que les Sanzia ont construit la tombe du fils de Satan. Bien eu, le salopard. Y a quelqu'un ?
Mais vous êtes devenue folle. Je vous en prie, arrêtez. Tout le monde va mourir si vous n'arrêtez pas vos fouilles. Qu'est-ce que vous racontez là? Qui êtes-vous? Vous avez ramené leurs démons avec vos pioches et vos satanées pelles. Dépêchez-vous de fermer la tombe pendant qu'il en est temps. Voyons, les Sandzias sont tous morts. Il a ouvert le portail de l'enfer et il en est mort. Il ne sera pas le seul. L'âme du fils des Sandzias est toujours la bien vivante. Il est revenu sur Terre. Tous les enfants courent un grand danger. Si vous condamnez cette tombe maintenant, peut-être bien que Dieu nous épargnera. Attendez! Halt! Halt! Arrêtez-vous enfin! Halt! Mais qu'est-ce qui s'est passé? La superstition. C'est un refus absolu de faire ressurgir le passé. Un passé que les descendants de Sandzia veulent oublier et qu'ils préfèrent voir enseveli. Je suis à la recherche de mon fils. Il n'est pas à la maison. J'ai pensé qu'il était avec vous. Jimmy, mon assistant, l'explorateur. Non, je ne l'ai pas vu. Enfin, pas encore. Absolument que je sorte d'ici. Papa, papa, il est mort. Je t'ai dit qu'il est mort. Jay, calme-toi, calme-toi. Calme-toi et reste ici. Louise. Envoyez-moi une ambulance. Chemin du roi. Il est mort d'une crise cardiaque. Ce qui s'est passé avec Louis, je veux bien passer l'éponge pour cette fois. Mais ce que tu as fait est totalement irresponsable. Qu'est-ce que tu faisais dehors à une heure pareille? J'en sais rien. Monsieur Resnick m'a parlé de cette tribu et j'ai tellement potassé le sujet que j'ai eu envie d'en savoir plus sur ces gens. Qui auraient, paraît-il, créé un enfant du démon. Le fils de Satan, comme ils l'appellent tous. Les Sandzia étaient des gens très dangereux. C'est la curiosité qui m'a fait faire ça. Est-ce que tu pourrais répéter le nom de cette tribu? Les Sandzias. Dorénavant, tu oublies toutes ces histoires à dormir debout, ainsi que Monsieur Resnick et l'archéologie en général. Quoi? Papa, je t'en prie, je ne risque rien du tout. Et puis ça n'a rien à voir avec tout ça. Si, justement, tu risques de perdre pied avec le monde réel. Tu fais? J'ai pensé que tu aurais plus de place si ta poupée dormait là-bas, sur la chaise. Je t'interdis de la toucher. Jessica, il n'est pas question que tu dormes avec ta poupée. Je t'interdis de me parler sur ce ton. Ah! Je vais te tuer! Je vais te tuer si tu essaies de nous séparer! Je vais te tuer et à moi! À moi! Waouh, c'est génial quand tu changes ta voix!
c'est d'accord. Tous les deux, tu seras en compagnie. Allez, allez, tourne-toi, Jessica. Jimmy, tu vas te coucher. Oh, elle a dit qu'elle allait me tuer. Si tu avais entendu sa voix, Elliot. Elliot, elle a changé. Je te jure qu'elle a changé. C'est la poupée. On dirait qu'elle la contrôle complètement. Elle a un comportement bizarre. Tu te rends pas compte? Non. Non, je n'ai rien remarqué. Par contre, toi, tu as changé. Tu tiens des propos totalement incohérents. Je veux qu'elle s'en aille d'ici. J'ai peur pour elle. Il faut la ramener à Los Angeles. Marilyn, nous avons investi tout ce que nous avions dans cette affaire. On ne va pas repartir parce que notre fille de 7 ans fait des caprices. Shay, nous allons essayer de l'aider. C'est une mauvaise passe. Mais elle va bien finir par s'habituer. Tu n'as pas écouté un seul mot de ce que j'ai dit. Cet homme, Karl Resnick, que sais-tu à propos de cette crypte? Pourquoi ça l'intéresse autant? Il s'y intéresse pour la bonne raison qu'il est archéologue. Mais qu'est-ce que tu sous-entends? Je n'en sais rien. Je me pose énormément de questions. Camélia était terrorisée par les Sansia. Elle a dit que Jessica lui avait parlé en utilisant leur langue. Mais tu m'as bien dit que Camélia passait son temps à marmonner devant des bougies. Si Jessica a employé ce langage, c'est parce qu'elle l'a entendu. Oh, non, je te jure que non, Elliot. Elle l'a entendu de la bouche de quelqu'un d'autre. Je suis désolé. Je suis mort de fatigue. Je n'ai rien mangé de la journée. Il est plus de minuit et j'en ai ras-le-bol de ces histoires. Monsieur Resnick, je suis Marilyn Wade. Ah, je suis ravi de vous rencontrer, Madame Wade. Je retrouve votre grande beauté dans le visage de votre fils. Comment va-t-il? Il a eu une nuit agitée. J'espère qu'il n'est pas trop traumatisé. Il a été très choqué. Est-ce que je pourrais vous parler de ces sculptures murales? Oh, bien volontiers. Celles-ci, ces sculptures, elles viennent de la tombe? Oui, en fait, ce sont des parcelles de la porte qui a été endommagée. Regardez, les motifs sont d'une finesse rare. Depuis, ils sont très anciens. Ils sont d'origine Sansia? Tout à fait. Notre fils nous a raconté que ce peuple avait eu une fin bien triste. Qu'est-ce que vous cherchez, au juste? Nous recherchons la dépouille mortelle de l'héritier des Sansia. Les légendes racontent que les Sansia avaient aménagé un endroit en vue de la naissance du fils de Satan. Ils ont nourri au sein un enfant qui n'était ni homme, ni bête. Il avait l'apparence d'un enfant et la tête d'un bouc. Ils l'ont nourri avec le sang chaud d'enfants sacrifiés. Cet enfant était tellement démoniaque qu'il a semé la terreur et la mort partout, jusqu'au jour où la tribu a décidé de l'enterrer vivant dans une tombe. Vous saviez tout cela avant de pénétrer dans la crypte? Madame, j'ignore pourquoi il terrorisait les Sansia. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cet enfant n'avait rien de surnaturel. Comment pouvez-vous en être ici? Parce que je suis un homme de raison et que c'est impossible. Monsieur Resnick, il se trouve que ma fille a dessiné tous ces symboles depuis notre arrivée ici. Quant à notre domestique Camélia, elle m'a dit que Jessica lui avait parlé en Sansia. Elle a essayé de m'avertir et maintenant elle est morte. Ainsi que le veilleur de nuit de la fabrique et votre archéologue. Et ma fille est actuellement sous l'emprise de ses maléfices. Elle ne s'appartient plus, je suis très inquiète. Seigneur Resnick, la machine à creuser est en panne. Depuis combien de temps? Madame, où allez-vous? Camélia m'a dit qu'elle a une sœur au couvent. Je vais aller lui parler. Waouh! Waouh! Maman a dit qu'il fallait te reposer. Mais c'est pas grave.
quand Ovi laisse tomber la sieste. Est-ce que vous parlez français ? Oui, madame. Je recherche la sœur Alva. La sœur Alva est malade. Un membre de sa famille est mort récemment. Je suis au courant. Je vous en prie, il est très important que je la voie. Elle est retirée du monde. Je vous en prie, la vie de ma petite fille est en danger. Je suis Marilyn White. Je sais qui vous êtes. Je suis vraiment désolée de ce qui est arrivé à votre sœur. Est-ce que Camilla vous a parlé de ma fille ? Vous et votre monde moderne. Vous avez placé votre foi dans vos machines. Votre science. Vous ignorez tout des pouvoirs du ciel et de l'enfer. Ma sœur a essayé de vous avertir en vain. Oui, je sais, je le regrette. S'il vous plaît, expliquez-moi ce qui arrive à ma petite fille et ce que je dois faire pour la protéger. Il est trop tard. L'esprit satanique de l'enfant Sanzia a été libéré et je crains bien qu'il ne soit trop tard. Écoutez-moi, je refuse de perdre ma fille pour un enfant qui a une tête de bouc et qui est âgé de 900 ans. Est-ce que vous savez comment cette chose, cet esprit fonctionne-t-il? Est-ce qu'il est, serait-il capable d'entrer, je ne sais pas, dans un objet? Pourrait-il entrer dans une poupée? Le démon est capable de prendre toutes les formes qu'il désire. Il peut devenir une ou de nombreuses autres choses. L'enfant satanique Sanzia recherche des enfants. Il ferait n'importe quoi pour répandre sa parole parmi les enfants. Par l'intermédiaire de poupées ? J'ignore quelle direction va prendre ce démon. Je ne peux que prier pour l'âme de ces innocents. Seigneur, délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Vous voyez, il a commencé. Il a commencé à répandre la terreur partout. C'est la peur qui les rembête. Vous n'allez tout de même pas croire toutes ces insanités. Peut-être bien que si, peut-être bien que non. J'ai un mari qui est persuadé que ce sont des insanités. Je pense qu'il a raison quelque part. Mais d'un autre côté, j'ai une petite fille qui est complètement sous l'emprise d'une saloperie de poupée. Alors vous avez peut-être une réponse, professeur ? Jessica, est-ce que tu es là?
Jessica. Elle est dans sa chambre. Maman, c'est incroyable, cette poupée parle et elle marche, elle fait tout. La porte est fermée, il faudrait... Jessica. Jessie. Où est-elle? Qu'en as-tu fait? Elle est ici, avec moi. Elle m'appartient. Vous ne la verrez plus jamais. Elle et moi, nous ne faisons qu'un. Elle sera toujours à moi, tu entends? Maman, maman, maman. Je t'en prie, je veux ma fille, s'il te plaît. Ramenez Jessica à la maison. J'y vais. La ligne est occupée. Appelle encore. Jimmy, je veux que tu restes au rez-de-chaussée. Et si t'as besoin de moi? Pour une fois, fais ce que je te dis, ne discute pas. Oui, il y a un dérangement. Ce que vous dites, la ligne est coupée. Non, un dérangement. Ah, non, nous n'avons rien. Quoi? Non, rien sur la ligne. Ah, bon, tant pis. Ah, laisse-moi. Chérie. Jimmy, monte dans la voiture. Jimmy, où es-tu? J'arrive. Regarde, j'ai écrit. On va aller faire un tour ensemble. Écarte-toi de mon chemin. Jessica, viens, on va s'amuser avec maman.
Non, on va s'amuser un peu. Non, je crois qu'on va bien s'amuser. Ah mon Dieu, mais c'était donc vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Ha ha ha!
Dieu soit loué, tu n'as rien. Elliot, je l'ai vu parler. Elle était vivante. Je te jure qu'elle est vivante. Je sais. Elles sont toutes vivantes. Comment cela peut être possible? J'en sais rien. Oh mon Dieu, qu'est-ce que vous allez faire? On va retourner à l'intérieur. Emmène les enfants avec toi. Elliot, non, je t'en prie, laisse tomber partout d'ici. Je ne sais pas comment on va s'y prendre, mais on va toutes les détruire. Toutes les détruire. Elliot, laisse, je vais appeler la police. Je t'en supplie, n'y va pas, c'est trop dangereux. On n'a pas le temps de placer une minuterie. Chaque bâton explose en une minute. Le mieux, c'est d'entourer l'usine. Je m'occupe de couvrir le périmètre intérieur. Vous allez à droite, je vais à gauche, et on se retrouve devant la porte. Parfait. Je peux y aller? Je peux en placer un? Non, Jimmy. Je veux que tu ailles avec ta mère. Je ne veux pas que tu restes dans le coin, d'accord? Tenez. Vite! Baissez-vous! Jimmy! Jimmy! Je vais faire exploser la crypte! Chérie, c'est fini.